Le sommeil et les rêves. Que se passe-t-il lorsque l'on dort? Le sommeil délivre en partie l'âme du corps. Quand on dort, on est momentanément dans l'état où l'on se trouve d'une manière fixe après la mort. Les esprits qui sont tôt dégagés de la matière à leur mort ont eu des sommeils intelligents. Ceux-là, quand ils dorment, rejoignent la société des autres êtres supérieurs à eux. Ils voyagent, causent et s'instruisent avec eux. Voilà pour les esprits élevés. Mais pour la masse des hommes qui, à la mort, doivent rester de longues heures dans le trouble, ceux-là vont soit dans des mondes inférieurs à la terre, où d'anciennes affections les rappellent, soit chercher des plaisirs, peut-être encore plus bas que ceux qu'ils ont ici. Ils vont puiser des doctrines encore plus viles, plus ignobles, plus nuisibles que celles qu'ils professent au milieu de vous. Pendant le sommeil, l'âme peut, suivant les nécessités du moment, ou bien s'appliquer à réparer les pertes vitales causées par le labeur quotidien et à régénérer l'organisme endormi en lui infusant les forces empruntées au monde cosmique, ou bien, lorsque cette action réparatrice est accomplie, reprendre le cours de sa vie supérieure, planer sur la nature, exercer ses facultés de vision à distance et de pénétration des choses. Dans cet état d'activité indépendante, elle vit déjà par anticipation de la vie libre de l'esprit. Car cette vie, continuation naturelle de l'existence planétaire qui l'attend après la mort, elle la doit préparer, non seulement par ses œuvres terrestres, mais encore par ses occupations à l'état de dégagement dans le sommeil. Et c'est grâce au reflet de la lumière d'en haut, s'étendant sur nos rêves et éclairant tout le côté occulte de la destinée, que nous pouvons entrevoir les conditions de l'être dans l'au-delà. Qu'est-ce que le rêve? Le rêve est le souvenir de ce que votre esprit a vu pendant le sommeil. Mais remarquez que vous ne rêvez pas toujours parce que vous ne vous souvenez pas toujours de ce que vous avez vu ou de tout ce que vous avez vu. Ce n'est pas votre âme dans tout son développement. Ce n'est souvent que le souvenir du trouble qui accompagne votre départ ou votre rentrée, auquel se joint celui de ce que vous avez fait ou de ce qui vous préoccupe dans l'état de veille. Sans cela, comment expliqueriez-vous ces rêves absurdes que font les plus savants comme les plus simples? Les mauvais esprits se servent aussi des rêves pour tourmenter les âmes faibles. Tant que le dégagement de l'âme est incomplet, les sensations, les préoccupations de la veille, les souvenirs du passé se mêlent aux impressions de la nuit. Les perceptions enregistrées par le cerveau se déroulent automatiquement, dans un désordre apparent, lorsque l'attention de l'âme est distraite du corps et ne règle plus les vibrations cérébrales. De là, l'incohérence de la plupart des rêves. Mais à mesure que l'âme se dégage et s'élève, l'action des sens psychiques devient prédominante et les rêves acquièrent une lucidité, une netteté remarquable. Des échappées de plus en plus larges, de vastes perspectives s'ouvrent sur le monde spirituel, véritable domaine de l'âme et lieu de sa destinée. Dans cet état, elle peut pénétrer les choses cachées et même les pensées et les sentiments d'autres esprits. Un lien fluidique, appelé communément corde d'argent, unit encore l'âme à l'organisme matériel, et par ce lien subtil, les impressions et les volontés de l'âme peuvent se transmettre au cerveau. Signalons toutefois une difficulté. Plus l'âme s'éloigne du corps et pénètre dans les régions éthérées, plus faible est le lien qui les unit, plus vague le souvenir au réveil. L'âme plane bien loin dans l'immensité et le cerveau n'enregistre plus ses sensations.
Il en résulte que nous ne pouvons analyser nos rêves les plus beaux. Quelquefois, la dernière des impressions ressenties au cours de ces pérégrinations nocturnes subsiste au réveil, et si à ce moment on a la précaution de la fixer fortement dans la mémoire, elle peut y rester gravée. Enfin, il importe de mentionner une forme de rêve. Ce sont les rêves prémonitoires, ensemble d'images et de visions se rapportant à des événements futurs et dont l'exactitude est vérifiée ultérieurement. Il semble indiquer que l'âme a le pouvoir de pénétrer l'avenir ou qu'il lui est dévoilé par des intelligences supérieures. Pour en savoir plus, Le problème de l'être et de la destinée de Léon Denis, première partie, chapitre 5, L'âme et les différents états du sommeil. Le livre des esprits d'Alan Kardec, livre 2, chapitre 18, Le sommeil et les rêves.